Et on est reparti dans cette quatrième partie de toujours hein, South Park. On continue l'aventure. Avant toute chose, avant que cette vidéo ne reprenne, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, donc facebook.com/meogifo, twitter.com/notmeo et youtube.com/c/meogifo. Un like, un abo, un follow de plus, c'est toujours, ça va être toujours extrêmement plaisir. Ok. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est toujours plaisant. Bon, du coup, on continue cette quête d'exploration de la ville de South Park. Et on va tenter. Vous avez un nouvel ami, Écrase-Merde, c'est cool. Très chouette, non? Donc on va aller maintenant on va aller ici au Tweak Café. Donc on a un peu toute la ville à parcourir et bien sûr on va continuer à s'arrêter aux maisons, etc. Pour voir qu'est-ce que les gens veulent. Donc lui on est amis avec. I hope you're not playing that dumb game with everyone. Meurs, meurs. Who is this? C'est qui lui? Je suis Be nouveau. a kid if you know it's good for you. Ah ouais? Ah d'accord, combat I hope déjà. We don't get in trouble for this. Vous avez maintenant accès à un objet d'invocation. Les invocations sont de puissantes aptitudes capables de venir à bout de tous vos adversaires. Surrender and I will show you mercy. Ok, invocation. Jésus. Lock and load. You'll get at your best shot, and that's all Jesus asks of you. You like beating up on girls? Ouais. Oh, I hope they didn't break it. Oh, phew. He thinks. I owe you one, kid. Oh putain, Jésus les a tellement dépop. Bon, du coup, j'ai un nouvel ami, oui, machin. Aptitude, talent, et donc on prend les attaques de votre arme corps à corps, inflige des dégâts supplémentaires. Bien entendu. Ouais, on va prendre ça. Allez, go. Bon alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh! Tiens, petit coup dans les jambes. Allez, on rentre dans le City Hall, hein, pour voir. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Ok. Merci, merci de l'astuce, hein. Un monocle, cool. Un monocle, c'est bien, on en avait besoin. De la thune et le mec il s'en fout. Hey kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all ah the bon? Bums and vagrants, they'll leave town and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Ouais ouais ouais. Donc défonce la gueule aux sans-abri et ainsi on aura l'air plus accueillant. What the fuck? Ils sont où? Ah oui, bah bien sûr, on les montre pas, bah oui. Quoi? Pourquoi j'ai une quête là? What? Bon, tant pis. Un chat! Oh! Bah meurt le chat. Désolé, le chat. This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs, and abortions. Stay okay. out of the lost forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Il faut la clé du bureau. Ok. Tant pis. On peut descendre. On peut descendre dans les égouts. Et hey, cool. Meurs le rat. Bon, du coup c'est pas par ici, hein. Bon bah on remonte. Et salut Agalion, merci, bonsoir, hein. Merci d'être là pour poursuivre le stream, le live, la soirée et tout.
Alors, hop, une petite seconde, voilà. Donc là, on défonce bien tout pour pouvoir atteindre le coffre qui est là derrière avec une barre de Out of my rappeur et way! une potion de puissance. C'est plutôt cool. Alors, meurt le piaf, voilà. Et lui, est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Oh! Elle tient. Pile de débris. Ok, cool. De l'argent, 35 cents. Cool. Allez, si on rentre dans le bureau de poste. Alors, dans le bureau de poste, qu'est-ce que nous avons? Une teinture blanche, des lunettes de soleil et une potion de santé. C'est cool. I'd love to Bonjour. chat, but you're unpopular. D'accord. Je vais te montrer, tu verras. J'adore discuter, mais pas avec toi parce que t'es pas connu. If you're looking for Tweak, you should go to his parents' coffee shop. They're always making him work. Ok. Donc, espèce, une potion de mana grande, cool, une chèvre afghane. Pourquoi pas? Colis de Monsieur Esclave. Avec bien sûr la quête de rapporter le colis. Au bureau de poste, vous devrez peut-être lui rapporter et il est là-bas donc cool. Juste en dessous du café de Twig, donc c'est bien, on pourra aller apporter le cadeau à Monsieur Esclave. Une fois. Stop staring at me. It's creepy. Ok. Non mais Monsieur Esclave. Donc la clé du bureau des informations, ça c'est cool, on va pouvoir ouvrir donc clé postale de Maquet qu'on n'a pas. Gna. Donc on va pouvoir ouvrir donc le bureau qui est juste là derrière. Hop là. Ça c'est cool. Donc on continue, hein. On démolit un peu tout ce qu'il y a. Potion de santé. Meurt la poubelle. Et roulant en carton. Ah c'est bien, on a chopé un roulant en carton. Oh! Je lui tape. Oh. Non mais. Ok. On m'a interrogé pour un article sur le narcissisme de la jeunesse. J'ai tellement hâte de lire ce qu'on dit sur moi. Ok. Des lunettes ordinaires. Allez, on peut passer par là? Il y a un truc là, on peut pas aller voir. Meurs, 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 meurs. Putain, mais il y a rien ici quoi, c'est nul. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire là en fait. Mais tant pis. Bon. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Ouais, moi aussi j'ai croisé Jésus à l'église. Il m'a dit bonjour et il m'a aidé à défoncer des gens. Et madame, you must be in our little tu dois être dans la Bradley's classe du petit class. Bradley. I know everyone thinks their child is special, but I really think he is. Cool. Bah, tant mieux pour lui, hein, si sa vie est géniale. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas rentrer là. Censé jouer. On est censé faire le tour de la ville. Jouer au jeu, pas le tour de la ville. Bah, moi, je veux faire le tour de la ville. On n'a pas le truc d'affaire. Et madame? Pardon. That's butt Brady. Wait. Alors, rentrons ici. N'oubliez pas d'emporter une serviette, hein. Tout à fait. Information très importante. What the fuck? I don't know. I think you have a nice nose. I'd worry more about your hair if I was you. What the... Ah, fouillons. Le clé du bureau d'affaires et une petite perruque. Maquillage glamour rétro. Non!
Et... Oh, hello! Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Sélectionnez la procédure. Alors, oh putain, 25 dollars pour une désensibilisation nasale. Arrête et pointe. Oh là là. Attends, vendre. Consommable. Alors, je vends pas de consommable. Hein. Je vais vendre la lame du conquérant parce que je m'en fous. J'ai mieux que ce que j'ai. J'ai mieux. J'ai mieux que ça, voilà. Alors, le style, bon, on va un peu tout vendre. Hein. Les lunettes à verre épais, on s'en fout. Les barbes d'enchanteur, on s'en fout. Le traîneur, on s'en fout. Le bouc maléfique, on s'en fout. Le double menton aussi. La perruque. Perruque carré plongeant Osef. Le truc de moine. La barbe d'Hollywood, on vend. Hein, on ne jette pas. Perruque négligée, on vend. Un monocle, on vend. Grimage de bandit, on vend. Le duvet aussi. En fait, on va tout vendre, hein. On va juste garder le bouquin, tatouage d'eau, barbe de rapport, on s'en fout, lunettes ordinaires. On vend tout, hein. On est au care. Alors, j'ai deux patchs, hein. Un patch fantôme et un patch en Burkhardt-Ruffen. Je viens de finir, il est excellent. Fan service jusqu'à la saison 16 et bonne durée de jeu. Ouais, j'avais vu que la durée de jeu était assez impressionnante, donc ça va être un let's play qui va être... Donc là on vend tout, hein. On y va. C'est dommage qu'il n'y a pas une touche pour vendre carrément tout nos trucs, mais bon. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, avec nouveau message de Jésus, normal. J'avais vu que y avait pas mal d'or, donc ces let's play vont prendre un certain temps pour bien tout finir. Bon, on va faire quoi? Désensibilisateur nasal. Oh, allez. Yes, that would look great on you. All right, go on through. Door to your right. Cool, on va se faire une désensibilisation nasale. Hi, I'm Dr. Tom. I understand you're wanting some work done. Just have a seat right here. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Après, ça fera un mal de chien. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Gee, I wish I could get some rhinoplasty too. Mais il n'y a rien eu. If you're ever traveling, Photo Dojo has a great deal on passport photos. Ouais, mais je voyage pas, donc je m'en fous. Donc on a chopé la clé du bureau d'affaires, donc on peut rentrer dans le bureau d'affaires maintenant. Et fan service, bah oui, fan service, après tout, c'est quand même un jeu dédié au fan service de South Park. Hein. Même si on connaît pas vraiment l'univers et qu'on ne peut-être pas spécialement fan de South Park, on peut quand même trouver une bonne, et de quoi se marrer, de quoi prendre du bon temps. Et voilà, madame, ok, je peux pas vous parler, c'est chiant. On détruit tout, voilà. Quoi, c'est tout? Putain, quoi, mais il y a rien du tout dans ce bureau, quoi. Pour la peine, meurt le porte-manteau. Voilà, faut pas faire chier là. Ah, la banque est ouverte. Oui, bon, la banque est ouverte. Ouais, une potion de santé, cool, encore. Bon, bah, la banque est ouverte. On va voir si on peut piller la banque, hein. Oh, pardon. Pas fait exprès. You're weird. Tu es arbre. T'as dit quoi, hein? Okay, this is a stick-up. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and everyone. Oh, hey, all right, Benny. How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Butters. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Okay. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Ouais, on avait Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! Normal. Welcome to the Bank of South Park. Sorry, kid, come back when you have some money to invest. Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est bien, en un coup je viens de perdre 45 dollars, hein, mais bon, voilà, c'est normal. Mixeur Margataville de luxe. Très bien. La base. Meurent les crayons. Et le porte-manteau aussi. And it's gone. Bah ouais, voilà. C'est con, hein. Tu fais des investissements et tout, et puis, bah, t'as plus rien. Bon, bah, fromage, quoi. Enfin, là, ah merde. Goddamn kids. Sale mioche. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, 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 tiens. Connard. Sale mioche. Je t'en foutrais du sale mioche. Vous avez deux nouveaux amis, Madame Beagle et Esther. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Les gars, votre cœur est le premier endroit où les gens regardent. Je vais pas me cacher là, je suis pas débile, ok? D'accord. Bah, te cache pas. Allez, le colis de Monsieur Esclave, il est où? Il est là, et nous, on est là, ok. Donc il nous reste le parc à traverser, puis le terrain de le parc pour enfants, et puis on sera à la maison de Monsieur Esclave. Et là-bas, il y a tellement de références aux épisodes, bah oui. Bah heureusement qu'il y a des références aux épisodes. What's the matter? Lost your stick? Stop it! Ah, motherfucker! Tiens, meurs! Bon. Ça le fait rien. Ça, tant pis. En même temps, tu vois, s'il n'y avait pas. Tu vois, s'il n'y avait pas de référence aux épisodes, ben, ça serait dommage, quoi. On pourrait pas. Vraiment. Enfin, ça s'appellerait South Park, mais ça n'aurait pas l'essence même du jeu, quoi. Donc voilà. Préservatif Big Bamboo, ben, oui, évidemment. Au cas où, quoi. Et à côté de ça, un tournevis. Did you accidentally get someone pregnant? Quoi? Non. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Est-ce que t'as engrossé quelqu'un par accident? Non. C'est David Sabro, correcteur. Donc oui, bonjour à toi, Sabro Douchilido. Et bienvenue à toi sur le stream, sur ce stream. Voilà, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous en notre compagnie, je vais dire, pour. Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. Hey, how was your weekend? That's so great. Okay, later. What? Mais laisse-moi parler. Putain. Shouldn't you be in school? Non, on va pas à l'école. On peut te parler? On peut faire des choses. Non, de Dieu. Bon, photo dojo, qu'est-ce qu'il y a dans les photos dojo? Tripod 2000 ici. Ah ouais, ça va, c'est pas cher. Photo studio. Go! Ah, c'est fermé. Ouais, j'ai pas envie de lui parler pour me faire arnaquer dans un photo studio encore à dépenser 20 dollars. Can we please get back to playing the game? It'll be way more fun than this. C'est quoi tous ces gens qui écorchent mon nom? Ben quoi, Sabro Bushido? C'est comme ça. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça qu'on dit? Je sais pas, ça semble normal. Centre-ville Est. Ok, cool. Oui, certes, bonsoir. Ouais, c'est ça, t'écorches mon nom, mais bonsoir, allez. Frapper sur la machine. Ah, ok. Attends, j'y retourne. Je vais frapper sur la machine. Mais laquelle? I used to be a model. Ok, vive les images. Oh, please. Tu as dit ça, bro, dou. Ah ouais, j'ai dit un D. Ah, merde. Pardon. Bah c'était pas volontaire de dire un D à la place du B. Toutes mes confuses. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like, Hody How.
Oui. Woody Howe. Tout à fait. Tu... Non. Allez, le parc pour enfants. On va voir si on va rencontrer de nouveaux amis. Peut-être que oui, peut-être que non. Allez, des fémurs de volaille, ça c'est bon. Hé, tu veux être mon ami? Kermit gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Ok, d'accord. Alors c'est génial, on peut pas aller dans les toilettes des garçons, mais dans les toilettes des filles. Non plus. Ok. Ow! Tiens, meurs, sale gosse. Come play hide and seek with us, you're it! Non! Mais je veux pas jouer à cache-cache. Oh putain, je veux pas jouer à cache-cache quoi, tu te fous de ma gueule. Playing pirate is better than being a pirate. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Avast there, matey, none shall pass! Hein? Oh merde! You sure about this? Ouais, tapons des mecs. Ouf. Why? On est OS, c'est parfait. Allez, marteau de la justice. By the hammer of butters. No, 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 ah, no. J'ai raté. Tiens, contre-coup. Ah. Allez, bam. Donc, du coup, on continue, hein. Tant et tant. Du coup, toi, marteau de guerre, appuie sur X, hein. Hop. Tiens! Appuie sur X. Oui, on va lui faire une attaque puissante. Hein. En mode meurt, tout ça. Victoire, plus 5 points d'XP, cool. Et en plus, on peut looter les gosses. C'est parfait. Non mais... I am a pirate king. Ouais. C'est ça. Non mais alors, le truc de trouver les gosses... c'est bon quoi. Osef. On les trouvera un autre jour. Là, on va. Ah bah là, il y a un gosse. Billy tried to steal my hidey spot, but I made him go away. Ok, bon bah. Ah bon, 6 gosses à trouver. Ouais, bah, ok. Bon. La maison de monsieur esclave. Hein. Ça risque. Ça risque d'être assez intéressant. C'est qu'on risque de trouver à l'intérieur. Normal. On lui parle pas tout de suite. On dégomme un peu tout ce qu'il y a pour voir si on peut looter des choses. Alors la télé. Tais-toi. Please. Alors, la mort pour le balai. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une cuillère. Cuillère. Pour les enfants, c'est sans doute dans la ville. Oui, je pense aussi. Il y a de grandes chances que ce soit un petit peu partout réparti dans la ville. Je suis au max de potions de santé. Ok, cool. De guérison. Donc, garde d'épée cassée. D'accord, c'est juste un bout de bois que t'as ramassé. C'est pas une garde d'épée cassée, mais bon... oui, je pense qu'en fait, on va découvrir les enfants au fur et à mesure qu'on se balade dans toute la ville. Hein. C'est clair. What the fuck? Oh là là. Petit médaillon et un bouc pointu. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Putain, mais... Alors, monsieur esclave, faut arrêter. C'est... Non. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again.
But give it a day. I go to a lot of parties. Ok. Colis de Monsieur Esclave. Fouet en cuir brut. Putain. J'ai Monsieur Esclave en ami et Millie en ami. Ok. Trop cool. Alors, on peut débloquer donc le lattage de couilles. Les cibles étourdies encaissent des dégâts supplémentaires. Alors, on va pas prendre ça tout de suite parce que ici, il faut prendre le truc d'abord pour. D'abord, on va améliorer les coups de l'étourdissement. Ensuite, on va améliorer les coups qu'on donne aux personnes étourdies. Donc, on améliore cette aptitude tout à fait. Avec une réussite parfaite, vous pouvez donner un coup ignorant, armure et bouclier, ce qui fait plus de dégâts, bien entendu. Et donc on continue à explorer un petit peu toutes les maisons. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon stream, ciao. À la prochaine. Sabro, n'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Donc facebook.com/meojifo, twitter.com/notmeo et youtube.com/c/meojifo. Tous les liens de la... tous ces liens sont en bas du stream pour être tenu au courant des prochains streams, des prochains lives ou pour revoir cette soirée. Donc n'hésite absolument pas à t'abonner, c'est toujours un plaisir, ou même à follow ce stream pour voir dès que il commence. Dead human walking. Sur ce, bien évidemment, je te souhaite à toi aussi une bonne soirée et à la prochaine. What are you looking at, pussy? Allez, du Please coup. Don't ask me, homie. On a... Let's go, asshole. Ah non, merde. Non, moi il faut que je tape au cimetière. Sur... Man, I could be watching TV right now. Voilà, le one shot qui fait plaisir. Alors lui, on va mettre une aptitude. Wait, whose turn is it? Alors, tournez L puis appuyez sur A dès que vous voyez le clignotement apparaître. I just was seeing if it works. D'accord. Et quand il est vénère, qu'est-ce qu'il fait? Abondance de la nature. Oh putain, ok, ça. Connard de healer. Voilà. Mais qu'est-ce que t'essayes, le prêtre? Tu crois que... Mais voilà. Prends ça dans la gueule, mec. Putain de prêtre. Enfin, ou de druide, ou machin. Oh là là, je te jure, quoi. Juste die. Danger. Ouais, bah danger, ok, on n'y va pas, quoi. Oh, le clodo. Ah ouais, c'est juste le clodo. I'll give you a good price. Quoi? Un bandana. Non, mais non. Je m'en fous. Patch pour costume. Ah ouais, c'est vrai qu'on a des patchs pour costume à mettre. Où est-ce qu'il est? Lunettes de sport, bazar, consommable. Modifier. Ah ouais. Sélectionner un emplacement vide avec. Ah non, non, non. Ça fait quoi ça? Chaque attaque retire 10 PV à la cible. Ouais, rapport 10% supplémentaire, ça c'est bien. Et
Donc, ah, niveau 4. Ah, dommage. Il faut être niveau 4 pour chaque attaque retire 10 PV à la cible. Ça, c'est pas mal quand même comme aptitude. Mais là, donc on a plus 1 d'attaque, plus 1 d'armure réduisant les attaques. Une attaque parfaite réduit les boucliers de 1 et rapporte 10% d'argent supplémentaire. C'est cool. Hey! That's not nice. Wanna play rough, huh? Bon, on m'a dit qu'on devait se débarrasser des clochards. Donc j'ai une quête, hein, débarrassez-vous des clochards, mais apparemment, bah, la quête ne proc pas, bon. Ah, ben voilà. Combat contre les clochards. Oh boy, bad guys. Cimetière. Contre les rats. Non mais, faut arrêter. Alors, on va prendre l'arc de Turlut. Ça. Et donc toi tu vas faire une aptitude qui est marteau des orages, hein, pour Feel my righteous fury. Allez. Bim. Clochard bourré. Oh non, je suis en sang. Merde, je suis en sang et écœuré. Alors ouais, tu peux attaquer l'ennemi derrière uniquement avec des projectiles. Ouais, mais en fait, ce qui est, c'est que j'ai fait en sorte que mon perso principal soit beaucoup plus puissant corps à corps, en fait. Donc, le truc, c'est que, en fait, faut d'abord que j'élimine le rat. Pour aller l'attaquer, étant donné que... Non, alors je vais faire un toucher de guérison sur lui. Yeah, that's it, little buddy. Et puis je le... Ok, je peux faire prendre une potion, le soigner et puis le dégommer. Mais normal. Voilà. Boy, this is neato, huh? Boo! Victoire, plus 12. Ok, et premier sans-abri sur 7 de dégager. Du coup, on prend tout ici. Allez, on descend. Ah ouais, c'est vrai, on peut looter le clodo qui a des espèces, un baluchon et une bouteille cassée. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Donc ici, danger, ben, on n'y va pas, hein, forcément. Et c'est sur cette victoire contre le clochard que nous allons marquer une petite pause de 5 minutes, donc n'hésitez pas à aller boire un verre d'eau, vous restaurer, vous reposer, vous whatever. On se retrouve dans 5 petites minutes, ne bougez pas, restez là, YouTube, on se dit à la prochaine vidéo, comme d'habitude, qui sera peut-être demain, ou si on est vendredi, la semaine, lundi prochain. Donc voilà, à tout à l'heure.